Travis. J'espère pour vous que c'est une urgence. Vous savez que... Ce serait un honneur, monsieur. Dieu vous bénisse. Allez, en selle, les filles. C'était le patron. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de tuer une légende. Vous accédez maintenant au laboratoire de recherche de Dexter Industries. Ici, les meilleurs scientifiques bénéficient des meilleures technologies pour repousser les frontières de l'impossible. Dexter Industries. Quand la magie opère. Vous accédez maintenant au laboratoire de recherche de Dexter Industries. Ici, les meilleurs scientifiques bénéficient. Assommé.
C'est juste un conseil d'ami. Évite de parler de labo secret. Il paraît que c'est juste sous nos pieds. Ils en parlaient sous la douche, les gardes. Tu viens voir le combat tout à l'heure ? Non, j'ai le spectacle de mon gamin. T'es pour qui, toi ? Sanchez. J'ai toujours eu un faible pour les outsiders. Sanchez et outsider dans la même phrase ? Ça fait bizarre. J'ai toujours été un supporter du Patriot. Mais faut bien reconnaître qu'il a vieilli. J'ai l'impression que notre Sanchez... rapide. Cette tête me dit quelque chose. Mine dans le secteur. Activation. Tire-toi. Pour personne. C'est lui. Ah, on bouge. C'est sûr. Écoutez-moi, il y a un malade. Vous êtes en état d'arrestation. Plus un geste. Arrêtez-vous. Pas trop loin. Ce tyran n'a pas à s'immiscer dans mes recherches. J'ai pas renoncé à mon poste de titulaire à l'université pour supporter ça. Voir le combat tout à l'heure ? Non, j'ai le spectacle de mon gamin. T'es pour qui, toi ? Cyril Sanchez ! J'ai toujours eu un faible pour les outsiders. Sanchez et outsider dans la même phrase ? Ça fait bizarre. J'ai toujours été un supporter. Dites-moi que c'est une blague. Ça se présente mal.
Alors, ça, 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 et... Ça, là, voilà. Ça devrait repartir dans une seconde. C'est bon, ça marche. Steven a reçu un nouveau badge? Ouais, il a accès au silo maintenant. C'est vrai? Tu lui as demandé? Incroyable! Tu sais quoi? Je vais essayer de me faufiler à l'intérieur. Il y a juste une porte à franchir. Je sais que c'est débile, mais je veux vraiment savoir. J'ai bien entendu, ok? Tu sais ce qui se passe en bas? Qu'est-ce qui se passe?
Ta tête me dit quelque chose. Tu veux une danse pour vous? Oh ouais, ouais, montre-moi. Contrarié à cause de ce que le docteur Valentine a dit tout à l'heure. Laisse tomber. C'est toujours comme ça avec les génies. Ils ne sont pas doués pour les relations sociales. Oui, je les ai vus. Ils l'ont amené hier. Monsieur Dexter était là aussi. Ouais, en personne. Il a discuté avec les chefs pendant un bon moment. J'ai jamais vu le docteur Ashford aussi excité. Il se passe quelque chose, c'est sûr. Bon, on se voit au combat ? Super ! Ouais, à plus ! Juin 1986. Le sujet de test Sanchez répond bien à la dernière injection de sérum. Sa masse musculaire a augmenté de 160% depuis le début de la phase alpha. Toute l'équipe se montre très enthousiaste. La formule du super soldat
Serait-elle enfin à notre portée? 19 juin 1986. Le sujet de test Sanchez commence à montrer des signes extrêmes de vie. Direction est au courant de ce que nous faisons ici. Laissons le docteur Valentine s'occuper de ça. Personnellement, ça ne me dérange pas de plus avoir à travailler sur le canon électrique. Créer une arme pour tuer les gens. Par ici. C'est probablement rien, mais je vais quand même aller jeter un œil. Ça venait de quelque part par là. Qu'est-ce qui se passe?
suicide. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tout est sous contrôle, personne ne peut passer. Ouais, le pont est relevé. Vous pouvez déplacer la cargaison. Vous allez vous en sortir. Compris, je m'en occupe. Pas de soucis. Personne s'attend à ce que tu tiennes tête à ça. Viens aller voir ce qui se passe. Non, c'est sûrement le vent. Ne pense qu'à l'argent. En 15 ans, quelqu'un a un génie. Pardonnez-moi, monsieur, mais je ne vous suis pas. Peu importe. Vous êtes viré. Sorensen, reprenez le protocole de tête. Mettez-moi en relation avec la directrice. Est enfin prêt? Bon, ne me répondez pas. Ce vide sidéral dans votre regard est assez éloquent. Incroyable. Il recrute vraiment n'importe qui de nos jours. Laissez tomber. Je vais le faire moi-même. Ah non!
Qu'est-ce qui se passe? Première vue, le sujet est une adolescente tout à fait normale. Mais les premiers résultats des tests semblent prouver tout le contraire. Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions hâtives. Je dois attendre les résultats des analyses ADN. Le sujet surpasse mes attentes les plus folles. Ces résultats sont incomparables à tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. En dehors des légendes qui entourent les travaux du docteur Hortmeyer, personne n'avait poussé la modification génétique aussi loin sur un être humain. Mes propres travaux sur Sanchez ne tiennent pas à la comparaison. Je dois admettre qu'il est difficile de garder une véritable distance scientifique. Cette opportunité, j'en ai rêvé toute ma vie. Mais je crains que Blake Dexter n'essaie de vendre la fille au plus offrant.